Oh, mais quel est ce menu? Quelle est cette douce musique? C'est 7 Days to Die, ça fait tellement longtemps. Ça fait. C'est bizarre de redémarrer ce jeu, le jeu avec lequel j'ai démarré ma chaîne. Qui est maintenant en Alpha 11, hein, donc ça va être une totale redécouverte pour moi. Et en attendant, je vous dis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici à Azarath. Et donc, on se retrouve sur 7 Days to Die. 7 Days, 7 Days to Die. Donc, nouvelle partie. Redécouverte, hein, bien sûr, le multiplayer, non. Hop, multiplayer, là, private, j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier. Les options, bah, c'est les options de noob, hein, y a pas le temps des... Y a pas le temps de craft, y a pas de tout ça, c'est vraiment les options de noob. C'est juste pour voir à quoi le jeu ressemble maintenant, hein, donc je vais sûrement me planter, parce que ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué, c'est un truc de dingue. Je vais sûrement me planter comme une bouse. Mais sachez-le. Voilà quoi. Je vous préviens d'avance. Hein. Allez, on se lance, c'est parti. On va voir à quoi maintenant ressemble la génération aléatoire de la map, hein, qui a été améliorée. Il y a eu plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles choses. Alors à mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse voir tout. Mais voilà, ça promet d'être un peu folklorique, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, bon allez, c'est parti. On entre dans le jeu. Oh là. Oh, ils ont fait un travail graphique. Nom de Dieu. Oh là là là. Ah ouais. Ah quand même. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Ah oui, là il... non, franchement, là je suis un peu sur le cul. Il y a des petits ralentissements, mais bon, j'ai frappes d'allumer qui... What? Oh, j'ai pris feu. What the fuck? J'ai pris feu. C'est pas possible. Putain, mais... Allez, arrête de brûler, voilà. Putain, j'ai dû marcher sur... Là-dessus, j'ai pris feu, quoi. Ils sont sérieux, les mecs. Bon, allez. Là, on a... Wow, une partie de Magnum, tu sais, on commence à peine. Pourquoi pas. Bon, on va essayer de faire gaffe où on met les pieds. Je vais prendre un peu de hauteur. Histoire 2. Alors, si je me souviens bien... Il fallait de la plante fiber... Ah, il prend la plante fiber directement maintenant. Je crois qu'avant, il fallait la crafter avec l'herbe. Et là, on l'a direct. Ouais, j'ai des ralentissements, par contre. Hein. Oh, le... Eh, l'atmosphère est stressante. Surtout dans ce biome. Je vais vite me barrer d'ici, moi. Je vais vite changer de biome, parce que là... Alors, oui. Plant fiber, small stone, et il me semble... un bout de bois. Faudrait que je trouve un bout de bois. Ah, on va changer de biome, c'est parfait. Ah, il y a un zombie là-bas, là. Il y a un zombie là-bas. Bon, allez. Ouais, non, mais ça fait bizarre. Oh là 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 là. Et graphiquement, ils ont fait un boulot de dingue. Hein. Je reconnais plus le jeu, en fait. Ou alors, c'est peut-être parce que ça fait tellement longtemps que j'y avais pas joué que... Voilà, j'ai du mal. Mais... Regardez-le. Putain, j'entends les bruits de pas, c'est horrible. Regardez le vent sur les feuilles et tout, c'est un truc de dingue. Bon, on va essayer de d'avancer. Alors, si des fois je marque des temps de silence, c'est tout simplement parce que j'entends des bruits de pod, des trucs comme ça. Donc... Ok, tu te tais, toi. Alors, je suis undetected. Voilà, très bien, je suis undetected. C'est parfait. Alors, si je me souviens bien, si je ne dis pas de conneries, on fait ça, ça,
Ça. Oh là là, magnifique. Ah, et c'est en pierre taillée aussi directement, d'accord. En fait, l'herbe et les pierres, on n'est plus obligé de les raffiner, entre guillemets, pour pouvoir se craft une hache. La pierre est directement taillée, d'accord. Regarde, là, il y a un zombie, là. Bonjour, madame. Dégage. Alors, j'ai des petits freeze. J'espère que ça va pas trop me déranger. Voilà, parfait. De l'huile. Bon, allez, va. On va pas faire la fine bouche. Ouais, par contre, les zombies, on les entend bien. Peut-être même un peu trop. Ça a toujours été comme ça. Bon, bon. Ils ont fait un boulot assez surprenant pour les graphismes, hein, parce que bon, c'est vrai que le jeu au départ était. Voilà, hein, si vous vous souvenez des premières versions de Seven Days to Die, qui étaient vraiment sous forme de blocs, hein, à la Minecraft, ça n'a rien à voir. C'est clair et net, ça n'a rien à voir. Alors. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cochon mort. Oh, j'ai de la viande et tout. Ouais, mais. Je vais le laisser là. Quoi? Merde, il a tout pris. Oh le con, je dois puer. Je dois puer la bouffe. Ah bah oui, je suis hunted, tu m'étonnes. Bon, attends. Est-ce que je peux couper un peu de bois là? Avant de me faire défoncer. C'est tendu. Allez, coupe le bois. Le sang aussi, il a changé. Level up. What? Level up, oui. Alors, c'est vrai qu'on pouvait gagner des niveaux. Les armes font toujours autant de bordel. Alors, est-ce que je suis. Non, je suis undetected, c'est parfait. Est-ce que je peux faire un. Comment on fait le feu de camp déjà? C'est dans Cooking. Campfire. C'est des cailloux, d'accord. Je crois que c'était du bois. Non, c'est des cailloux. Bon, on va chercher des cailloux. Ouais, donc. Je sais plus ce que je voulais dire, moi. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, il y a des petits freeze quand même, hein, mais ça, c'est à cause de Fraps. Fraps me bouffe énormément de ressources, surtout quand je le tourne en 60 fps. Et le souci, c'est que le jeu ne prend pas Shadowplay. Je trouve ça un peu bizarre, c'est peut-être moi qui déconne, mais. Wow, comment ça freeze? Ouais, c'est. Y a pas photo, c'est à cause de Fraps. J'aurais peut-être pas dû le mettre en 60 fps. Je suis un peu trop gourmand. Alors toi le bibardum, tu vas me laisser tranquille. Moi je vais aller faire mon feu de camp. Oh, mais non mais c'est insupportable, c'est quoi ces frises? Cooking. Avec ces frises, je suis pas tranquille. Alors. Et voilà. Oh non, ça. J'ai cru qu'on me tapait dessus, j'ai mais non, non. C'est par terre qu'on tape. Donc. Il devait être en train de taper la montagne, je sais pas quoi. Bonjour, monsieur, dame. Ouais, non. Par contre, ça va pas être possible. Être possible, je vais faire mon feu. Oh merde, j'avais oublié ça, les dégâts de chute. Oh, j'ai un peu les jambes pétées. Ça, j'avais oublié ça, c'est un truc que j'avais oublié. Ok, je vais retourner ici, je vais faire mon feu de camp. Pépère, je vais me faire à manger. Ah, elle a bien comme ça, voilà. Allez, pose ton feu de camp. Ah non, c'est clic droit, d'accord. Eh, j'ai même oublié ça, quoi. Ah oui, il faut mettre des trucs pour cuisiner. Oh là 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 là, je suis à la ramasse.
Un bâton, ça se... Ah, merde. Mais quel con. Dégage-toi. J'ai plus de vie. Alors, ceux-là, ils sont toujours autant buggés quand ils meurent. Ah, merde. Ah ouais, je me fais sévèrement agresser, là, en fait. Toi, t'es morte. Infirmière. Bonjour. Si, au revoir. Donc, alors là, il y en a un en face, mais le temps qu'il m'arrive dessus, je pense que j'ai un peu le temps. Ok, des baguettes. Voilà. Ok. Allez, viens ici, toi. Oups, raté. Je suis level 3. Alors, je sais toujours pas ce que ça fait, les niveaux, faut que j'aille voir. Cookware, voilà, c'est comme ça qu'on fait. On met la viande. Ça fait du ouais, de la viande cramée. C'est pas très grave. Voilà, normalement, je ne sens plus. Voilà, parfait, je ne sens plus. T'avais quelque chose sur toi, toi, mademoiselle, là? Pas grand chose. Hop. Ah merde, j'ai pété ma hache. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des blocs de chair pourrie. C'est quoi ce délire? What? Est-ce que ça se casse? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que les zombies sont attirés, mais... T'es bien moche, toi. Qu'est-ce que c'est... Alors, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Beaucoup de... Ah! Mais d'où tu sors, toi? Ouais, mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire, là? C'est la réunion de famille ou quoi, là? Alors, c'est mal... Voilà, c'est mal barré, c'est ce que je disais. C'est très mal barré. Étant donné que j'ai pas de... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est les cadavres de zombies qui donnent ça? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. C'est... Ah, mais j'ai une torche, c'est vrai, on peut taper avec les torches. Non, bah, je suis mort. Ah, et on voit la magnifique gueule de mon perso hein, qui est... Perlé. Ouais, donc... Ils sont contents. Mais c'est quoi ce truc l'espèce de monticule de chair, là. Wellness moins 10. Ah, il y a des petits effets sonores et tout. Wow. Eh, ça rigole plus, hein. Ça rigole plus, Seven Days, hein. Ça rigole plus, Seven Days. Bon, je pense que j'y jouerai un peu en live, hein, comme j'ai un live prévu, là. Samedi, hein, de toute façon, comme tous les samedis, je pense qu'il y a moyen que voilà, je me fasse un petit 7 days en live. Ça peut être sympa, le petit retour aux sources, un peu. Hein. Ouais, faut quand même. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas parce que bon, c'est vrai que le jeu, j'ai arrêté de le suivre. Enfin, voilà. Là, je suis paumé. Alors, c'est vrai que là, la génération de map aléatoire a l'air quand même. Plus poussé que qu'avant, tout ce qui est niveau montagne et tout, ça a l'air sympa. Bon, je suis désolé, par contre, hein, on verra pas tout ce qui est méga craft, armes et tout le bordel. Donc là, on a une rivière qui mène à un biome, biome dévasté, là, grava. Donc les biomes, ça va, je les connais un peu. Quand même, hein, c'est voilà. C'est peut-être longtemps que j'y ai pas joué, mais il y a des limites. Ouais, des trous comme ça fait peur.
Alors, je suis désolé pour les freezes, hein. La prochaine fois je tournerai en 30 fps et puis c'est tout. Hein. Le jeu il veut pas. Ok. Bon, il y a des falaises là-bas, non mais. Totale redécouverte, hein, les gens. Je m'émerveille devant tout et n'importe quoi, mais là, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une falaise? D'accord. Je reconnaîtrais ce cri entre mille. Ça, c'est un lapin qui vient de mourir. Ça, c'est un lapin qui vient de mourir. Ça, je le sais et ça, je l'oublierai jamais. Hein, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, doivent savoir de quoi je parle. Ce putain de lapin qui m'avait fait une de ses frayeurs. Le truc qui m'a fait le plus flipper, quoi. Quand j'ai tourné une vidéo, c'était même pas un zombie ou quoi, c'était un lapin. Oh, j'en pouvais plus. Eh, mais y a des sacrés. Ouais, des. Enfin, niveau architecture de la map, on est quand même devant quelque chose de différent, quoi. Et j'ai remarqué aussi que les outils ne durent beaucoup moins longtemps. Alors oui, je vais juste vite fait voir. Ça correspond à quoi, les niveaux, là? Character. Dédicace à Yanala. Current level 3. D'accord. Mais niveau 3, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Level progress. Ok, il y a des points d'XP. D'accord. Zombie tué. Total score, ok. Alors... Je sais pas trop à quoi correspond le level, hein, parce qu'on ne dit pas grand chose. Ça fait longtemps qu'on peut passer les niveaux. Mais là, ils ont mis des petits effets sonores, des petits messages qui pop. Donc... Foutez-moi la paix. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va, sinon c'est juste. Oui, ok, un petit tas de terre. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste un tas de terre. Ne t'affole pas. Ah, un biome accueillant. Enfin. Quand je dis biome accueillant, c'est vite dit. Hein, faut pas déconner non plus. Bon. Et qu'est-ce que j'ai sur moi, là? À chaque fois, je me gourde de touche, je fais tab. Putain, mais j'entends des bruits de pas. Et j'entends les bruits de pas des zombies, mais à 15 bornes, quoi. C'est hyper stressant. Bah non, un bâton, j'en ai déjà un. Qu'est-ce que je fous? C'est de l'herbe qu'il me faut. Plan de fiber, merci bien. Alors je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est ça? Des parpaings, des trucs. Je regarde un peu partout, hein, mais... Ouais, des parpaings, d'accord. Je suis fatigué. Mon wellness est pas très haut. Comme vous pouvez le voir, j'ai que la moitié de ma barre de vie, la moitié de ma barre de stamina. Alors par contre, les arbres qui pop devant moi, c'est plutôt moyen. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai des freezes et tout que le jeu a du mal, mais... What the f... Faut que j'aille voir. Je suis désolé, j'ai pas le choix, faut que j'aille voir. Une grotte. C'est la première fois que je vois une grotte. C'est vrai qu'ils ont mis ça maintenant dans le jeu. Ça va où comme ça? Pop, y'a du zombie! Coucou toi, le zombie en célibat! Merde! Ça dit pas de mourir un peu là. Ouf! Ouais, donc. Ouais, elle est super grotte quoi. Ça doit... Ouais, ça sort d'un autre côté, ok, mais. Ouais, ils ont mis en place les grottes. Ah non, ça ressort pas de l'autre côté. La lumière, c'est une illusion d'optique. Mais ça va où comme ça? Ok, ça s'arrête ici, très bien. Ouais. Bah c'est cool, mais je fais comment pour remonter, moi, du coup? Je suis pas un peu coincé, là? Des fois. Je dis ça, je dis rien. Je peux grimper? What? Ah oui, je grimpe tranquillement. Bon, bah, c'est bon. Je grimpe, je sais pas par quelle magie, mais je... Allez, hop, allez, courage, non, allez. Bon, en fait, je crois que je vais rester coincé ici, comme un gros con. Ah non, j'ai plus de stamina, d'accord, je vais m'en reposer un peu.
Donc ils ont mis en place le système de grottes et de tunnels, hein, il me semble. Là, c'est la première fois que je vois une grotte. En plus, voilà, il y a du minerai sur les parois et tout, c'est nickel, quoi. C'est vraiment sympa. Commencer une mine dans une grotte comme ça peut être cool. Allez. Allez, coco. Voilà, la lumière du jour. Oh, c'est bon. Donc il me fallait un caillou. Voilà. Maintenant, j'ai remarqué aussi qu'il mélange un peu les blocs de différents biomes. Entre les biomes, en fait. Voilà, c'est ça. Ils font une espèce de dégradé de biome. C'est sympa. Pourquoi pas. Bon, allez. Pick up a small stone. N'est-ce pas? J'entends encore des bruits de pas chelous. J'aime pas ça. Alors maintenant, ouais, faut faire super gaffe aux durées de vie des outils. Tiens, on va tuer les gros, là. Ils ont de la bouffe. Là. Par contre, attention, ils font très très mal. Ouais, et c'est quand tu veux, Bibindom, merci. Alors, je savais pas du tout à quoi correspondait l'espèce de monticule. Monticule de chair que j'avais fait spawner. Je vais essayer de regrouper des cadavres de zombies parce que je crois qu'en fait c'était à cause de ça que des blocs de chair apparaissaient. Donc. Voilà. Ah bah mademoiselle, venez, allez. Allez, à votre tour. Allez, viens. Putain, encore un. Encore un. Mais what? Oh les gars là. Ça suffit maintenant. Hein. Bon, ça va, ils sont moins costauds ceux-là. Aïe, aïe, non, non, non. Foutez-moi. Eh merde. Oh, ils ont failli me tuer. C'est ça le souci en fait. C'est pas question qu'ils font mal ou quoi. C'est question que. Ok, j'ai fait le ménage. C'est question que. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Mais ça doit faire hyper crade quand tu te fais attaquer par une horde en fait. Tous les cadavres de zombies partout. Je suis une tête de ouf là, tu m'expliques? Ah, ça y est, monticule de chair qui a. Ah, d'accord, il y a un zombie rampant. Voilà, donc il y a ça qui est apparu. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Vous étiez en train de rêver. Maintenant, vous vous réveillez. Vous voyez la vidéo. Tout ce qui s'est passé avant n'est jamais arrivé. Voilà. Bon, salut à tous, ici Azral, j'espère que vous allez bien. Mais je sais même pas comment je suis mort. Je crois que je devais saigner ou je sais pas quoi. Oh mais putain, mais la loose. C'est quoi ça? Des boyaux? Ouais, je sais pas quoi. Ah, une trace de... Non, c'est un pont. J'allais dire une trace de civilisation et tout. C'est juste un pont. Faut pas s'affoler. C'est juste un pont, puis après tout est détruit. On va prendre l'autre côté, hein, parce que là, c'est pas possible. Alors, j'ai l'impression que le temps de la journée... Je suis toujours au jour 1, il est que 14h. Ça met extrêmement longtemps. Ça met extrêmement longtemps quand même. Je sais même pas ça fait combien de temps que je tourne. Ça se trouve ça fait trop longtemps. Donc ça le sac j'ai déjà fouillé, non? J'ai déjà fouillé. Vas-y, c'est celui que t'as fouillé en arrivant, pas le train. Bon, je suis désolé si la qualité de mon gameplay est très médiocre, mais bon, comme le jeu je le redécouvre, qu'est-ce que c'est que ça? It's a rabbit? Ah, on trouve des animaux morts maintenant, comme ça, sur la route. Ça devait être un vieux lapin qui s'est fait renverser, là. Le truc, il est mort depuis 2 mois, tu sais.
Bonjour madame. Ah ah ah. Bonjour monsieur. Ah là les routes se séparent, elles ont l'air droites. Ça sent la ville. Ça sent la ville ou le village ou je sais pas quoi. Non, je dis une connerie. Non. Ça sent. Ah si, peut-être par là. Non. Ouais, c'est quand même voilà quoi. Encore un lapin. Faut arrêter de boire hein, parce que là ça lui réussit pas lui. Bon, de toute façon je pense que la vidéo je vais pas l'arrêter hein, parce que bon c'était juste une redécouverte du jeu. J'ai beaucoup à apprendre encore une fois. De toute façon j'y rejouerai en live. Il y aura moins de freeze. Tout simplement parce que là c'est Fraps qui me paralyse en fait. C'est un truc de dingue. Et voilà quoi. De toute façon, on n'a pas fait de nuit, on n'a pas fait de ni rien de tout ça. Je vais peut-être m'y remettre, on verra, parce que le serveur Reign of King quand même, il me prend pas mal de temps, le soir et tout. Faut voir comment ça se présente tout ça. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, voir toutes ces nouvelles choses. Me donne envie de me remettre dessus car c'est quand même un jeu de survie qui est quand même bien orienté PVE et c'est assez rare hein, comparé à tous les autres jeux de survie PVP où c'est chacun pour sa gueule et puis c'est marche ou crève. Là c'est quand même plus orienté PVE avec les hordes de zombies, les trucs comme ça. Donc pourquoi pas se remettre dans le bain petit à petit. C'est pas le monticule de chair là, non, non, je dis une connerie. C'est juste de la terre. Il paraît qu'il y a des nouveaux zombies aussi, qu'il y a même une moto. Je sais pas si elle arrive ou pas la moto, mais il paraît qu'il y a même un système de véhicule maintenant. Beaucoup de choses à redécouvrir donc, que je ne peux pas faire en une vidéo, hein, bien sûr. Oh, un cerf! Oh, magnifique exemple de la survivalité de la nature. T'as de la chance que j'ai pas de fusil, toi. T'y serais passé. On trouve toujours des tas de saloperies dans les poubelles. Ah oui, toujours. C'est bien. Toujours de la merde. Ouais, ça va. Ah, c'est du plomb quand même, ça peut servir. Alors la route là part étrangement droite, ça annonce une ville, mais de toute façon je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que bon, ça fait déjà un moment que je tourne et puis jamais je pourrais vous faire découvrir tout, tout d'une traite en fait. Donc c'est tout, je vais vous laisser là et j'espère que cette petite vidéo très médiocre vous aura plu, très lamentable. Bon, le gameplay voilà était pourri, mais pourri. Mais bon, c'est la redécouverte du jeu, hein. J'ai carrément du mal, quoi. J'ai l'impression que Reign of King est d'une facilité à côté de Seven Days to Die. Putain, mais Seven Days, c'est... Ça pardonne pas, quoi. Et ça m'avait manqué, voilà. Je l'avoue, ça m'avait manqué. Je suis déjà passé par là, non? Enfin, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, je vais vous laisser ici. Alors, bon, voilà. Petite... Wow, ce nuage gris. D'accord, je retourne dans le biome gris. Ah, c'est énorme le nuage, là. Ça, par exemple... Oh, il y a un cochon, il va se faire bouffer, là. Oh, mon Dieu. Bonjour, au revoir. Hop, là, on va pas marcher là-dessus, on va crever. Bon, allez, je vais vous laisser. Moi, je saute du pont. Ah, ah oui! En mode rien à foutre les zombies quoi. Bref, je vous souhaite à tous bonne soirée et bonne journée. Je referai un peu en live, hein, y a pas de soucis. Et je vous dis à la prochaine, c'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!